Bonjour. Nous sommes heureux de vous donner la possibilité de nous présenter votre dernier et premier livre. Oui, c'est le premier, oui. Donc, qui s'appelle « La kleptocratie française ». Alors, avant de rentrer dans les détails de ce livre, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu pourquoi vous en êtes venu à écrire alors que vous n'avez pour l'instant pas écrit d'autres livres ? Alors oui, en effet, c'est mon premier livre. Je l'ai écrit parce que je travaille dans un cabinet d'expertise comptable en tant que comptable et j'observais des dysfonctionnements qui avaient lieu au sein des organismes de la sécurité sociale qui prennent beaucoup d'argent à nos clients et sans qu'on sache forcément où ça va. Donc je me suis posé finalement la question que tout le monde se pose qui était de savoir où allait tout cet argent. Donc j'ai commencé mon enquête à partir de là. Donc au départ, c'est vrai que je ne savais pas que ça allait déboucher sur l'écriture d'un livre. Et j'avais trouvé finalement des informations qui étaient complètement occultées dans les médias et puis que les gens ignoraient, parce que souvent les organismes de sécurité sociale ne sont pas publics mais privés et qu'ils ne sont pas contrôlés ou mal contrôlés. Donc j'ai continué à faire mes recherches et puis je me suis rendu compte qu'effectivement, à cause de la finance internationale, il y avait beaucoup d'argent qui était perdu. On touche directement à la poche des Français, enfin qui... la poche qu'ils ne voient pas parce que ça leur est pris directement sur leur salaire ou sur... Oui, surtout dans le cas des salariés parce que finalement ce sont les employeurs qui paient pour les salariés mais il faut savoir quand même qu'on leur prend la moitié de leur salaire pour le reverser aux URSSAF. Aux URSSAF, aux caisses de sécurité sociale, ouais, la moitié de leur salaire. Alors votre enquête porte surtout sur le RSI plus que sur l'URSSAF ? Non, sur les deux. Mais j'ai distingué les deux. Au départ c'est le RSI qui m'avait mis un petit peu la puce à l'oreille parce que c'est vrai que... On avait quand même affaire à des choses qui étaient assez graves, que ce soit des saisies directement sur les comptes bancaires ou alors des demandes de paiement pour des cotisants qui étaient à jour de leurs cotisations. Et on leur demandait quand même de payer des montants sans justificatif. Donc ça m'a alertée et puis je me suis rendu compte que non, finalement pour le régime général des salariés, c'était pareil. Ah bon, on dit que le RSI est en faillite et que c'est pour ça qu'il réclame à tort, les comptes vont pas, enfin, mais c'est la même chose pour l'URSSAF. Pour l'URSSAF, oui. L'URSSAF, enfin le régime général, parce que ça regroupe aussi d'autres caisses, mais ils sont effectivement dans une situation, enfin la survie du régime général dépend de l'endettement que fait la caisse d'amortissement de la dette sociale auprès des marchés financiers. C'est ce qui permet la survie aujourd'hui du système de sécurité sociale. Mais sinon, effectivement, il aurait été en cessation des paiements, en faillite, oui. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que vous avez trouvé. Alors, dans le cadre du RSI, je me suis rendu compte que les bilans n'étaient même pas certifiés par les commissaires aux comptes, le cabinet KPMG et Mazars, qui en ont la charge depuis le début de la création du RSI en 2006. Ce qui est grave et ce qui est tout à fait anormal. Et normalement, le conseil d'administration aurait dû être révoqué et les commissaires aux comptes démissionnés. Or, le conseil d'administration est toujours en place depuis 2006 avec à sa tête le président Gérard Quévillon, qui a été renouvelé dans ses fonctions. Étrangement. D'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a comment ça se passe ? Quels sont les problèmes ? Bah, les problèmes, c'est que, de fait, la comptabilité n'est pas probante, on peut considérer qu'elle est fausse. Et d'autre part, la Cour des comptes a indiqué qu'il y avait des dysfonctionnements dans les systèmes de contrôle au sein du RSI. Et donc, en pensant dysfonctionnement dans les services de contrôle, j'ai pensé à l'affaire Kerviel qui avait eu lieu au sein de la Société Générale, parce qu'on nous avait dit qu'effectivement, c'était à cause de dysfonctionnements dans les services de contrôle que la fraude avait été permise. Donc c'est pour ça aussi que c'est inquiétant la situation dans laquelle se trouve actuellement le RSI et qui continue avec la bienveillance des gouvernements qui ne font rien pour réformer le système. Donc qu'est-ce qui peut se passer ? Donc si les comptes ne sont pas certifiés, il peut y avoir un peu n'importe quoi, donc il y a de l'argent qui peut disparaître ou qui peut être mal utilisé. Oui, c'est possible. Mmh. Oui. C'est possible, oui. Ça, vous n'avez pas pu mettre encore la main sur ces... Non, parce que pour ça, il faut des enquêtes judiciaires. Oui. C'est pas mon pouvoir. Donc, il est fort possible que les cotisants, que l'argent des cotisants du RSI, par exemple, puisqu'on parle du RSI,
c'est surtout le RSI qui vous a intéressé au départ, que cet argent soit mal utilisé ou éventuellement détourné. On n'a aucune possibilité de savoir s'il est bien utilisé. Oui, tout à fait. Et donc, comme il s'agit en fait d'une entreprise privée, normalement des enquêtes auraient dû être ouvertes par le procureur de la République. Ça n'a pas été le cas, mais parce qu'il faut qu'il y ait des enquêtes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour savoir si effectivement il y a des fraudes qui ont lieu au sein du RSI. Oui. Et les cotisants eux-mêmes ne peuvent pas lancer ce genre d'enquête, demander que le procureur lance ce genre d'enquête? Si, c'est possible, mais le système est tellement opaque. Déjà, il y a très peu d'assujettis au RSI qui savent que les cotisations, que le RSI est privé et que leurs cotisations vont à un organisme privé qui fait également des placements sur les marchés financiers très importants. Donc, il faudrait qu'ils soient au courant, mais c'est possible. Il y a un certain nombre d'associations qui luttent contre le RSI, justement parce qu'il est privé, mais leurs demandes n'aboutissent pas pour l'instant, en tout cas. Alors, parlons de ces privés, il appartient à qui le RSI? Alors, personne ne sait. Personne ne sait. On ne sait pas s'il s'agit d'une société ou s'il s'agit d'une mutuelle ou si peut-être que ça appartient à ses adhérents. On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a des demandes qui ont été faites devant les tribunaux, mais on ne sait pas à qui appartient le RSI. Il a été créé par les pouvoirs publics dans le code de la sécurité sociale en tant qu'entreprise privée, mais on ne sait pas quelle structure juridique c'est et à qui ça appartient. Et donc, vous venez de nous dire que le RSI faisait des placements financiers. Comment vous avez pu découvrir ça? En lisant les bilans, et puis il y a des montants très importants qui sont engagés par ce régime-là, alors que rien ne prouve sa solvabilité. Donc, on parle de plusieurs milliards d'euros. Donc, le RSI joue, enfin, les organismes sociaux français jouent sur le marché international pour placer leur argent, comme font les fonds de pension américains? Oui, le régime général pour les salariés, au niveau de sa trésorerie, emprunte 20 milliards d'euros par jour. Et la caisse d'amortissement de la dette sociale, la Cour des comptes considère qu'il y a à peu près 260 milliards d'emprunts dedans. Et pour expliquer ce que c'est que la caisse d'amortissement de la dette sociale, donc elle a été mise en place en 1996 par Alain Juppé, le plan Juppé. Et donc au départ, il y avait un montant de 24 milliards d'euros d'emprunts qui avaient été mis en place pour absorber les dettes du régime général. Et puis maintenant, on arrive à 260 milliards. Et donc la caisse d'amortissement, en fait, finalement, c'est une salle de marché qui fait des emprunts sur les marchés financiers. D'accord, mais elle ne place pas de l'argent, elle? Elle fait des emprunts. Elle ne fait que des emprunts. Elle fait des emprunts. Oui. Enfin, c'est à ce qu'on peut savoir. À ce qu'on peut savoir, oui. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas du tout de contrôle sur la caisse d'amortissement de la dette sociale, ni par des commissaires aux comptes, ni par la Cour des comptes. Ah bon, il n'y a pas non plus de contrôle s'agissant de la caisse d'amortissement. Et qui elle est gérée par qui? Elle est gérée par... Alors, il y a un président qui s'appelle Patrice Rachmadou, qui a été nommé pour diriger cette caisse. Ah bon. Alors, la CADES a réalisé pour la première fois de sa longue vie, qui a commencé en 1996, une émission en renminbi. Nous avons émis 3 milliards de renminbi à 2 ans. D'accord. Et la CADES emprunte sur les marchés financiers avec des taux indexés sur le Libor et le Rebor, donc qui sont des taux d'emprunt qui sont manipulés par les banques qui sont chargées des transactions. D'accord. Oui, donc ça ouvre la possibilité de toutes sortes de combines, d'arrangements qui ne sont contrôlés par personne. Voilà, tout à fait. D'accord. Et puis de toute façon, même quand c'est reconnu qu'il y a des ententes frauduleuses entre les banques pour manipuler les taux, il n'y a pas de poursuites pénales, oui, qui sont engagées contre elles. Donc, oui, elles ont une impunité qui fait que ce système continue. Oui. Alors, à ce propos, vous avez donc, en faisant cette enquête, vous vous êtes aperçu que la Société Générale était dans le même cas que le RSI, donc il y avait une absence de contrôle. Oui, ça a été révélé en 2008 avec l'affaire, parce qu'il y a très peu de procédures pénales. Et il y a eu une affaire qui a été très médiatisée en 2008, qui a été l'affaire qui opposait un des salariés de la Société Générale, qui est Jérôme Carviel, à ses employeurs, qui l'accusaient d'avoir perdu beaucoup d'argent sur les marchés financiers, et il disait qu'il n'était au courant de rien. Donc effectivement, il s'est avéré qu'il y avait des déficiences dans les systèmes de contrôle au sein de la Société Générale, mais ça appartient à la Société Générale de mettre en place des systèmes qui permettent que ce genre d'abus-là n'ait pas lieu.
Donc ils ne peuvent pas se décharger de leurs responsabilités. Surtout que les placements qui avaient été engagés par ce salarié-là avaient commencé déjà en 2007 à plusieurs reprises et que ça avait fait gagner beaucoup d'argent à la banque. Donc ils étaient bien sûr au courant. Et alors, comment vous êtes rentré un petit peu plus profondément dans l'histoire de Kerviel et de la Société Générale, qu'est-ce que vous avez trouvé? Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de sociétés qui étaient chargées de faire des placements, pour notamment des caisses de retraite et d'autres, hein, pour l'État ou des collectivités locales, et qu'elles avaient été mises en cause, les dirigeants avaient été mis en cause dans des opérations frauduleuses, que ce soit des délits d'initié ou alors des transferts entre les sociétés d'actifs qui étaient toxiques parce qu'ils étaient liés à la crise des subprimes qui avait lieu en même temps, et que volontairement, ils avaient créé la crise qui avait eu lieu au sein du groupe et que ça avait porté lourdement préjudice à la banque, qui avait dû ensuite être recapitalisée avec les impôts des Français. Donc ce sont des banques qui sont mises en cause dans des opérations frauduleuses, mais on doit à chaque fois les recapitaliser avec l'argent des impôts, etc. Donc effectivement, il y a un problème. Et puis à aucun moment le gouvernement ne parle de mettre à la tête de ces sociétés-là des fonctionnaires pour savoir ce qui s'y passe. D'accord. C'est un don. On nous donne de l'argent sans contrepartie. D'où le titre de votre livre, La kleptocratie française. Alors, comment vous caractériseriez cette kleptocratie? Enfin, il faut dire un petit peu ce que c'est que la kleptocratie, la Oui. kleptomanie et la Bah, c'est kleptocratie. justement ça, hein. C'est une organisation finalement qui est contrôlée par les banques et le système financier et qui spolie la population, qui vole les gens et qui empêche déjà la démocratie de s'exercer. Parce que c'est ce qui s'est passé après Maastricht finalement. Enfin, à partir du moment où on a décentralisé toute la politique économique et monétaire à l'Union européenne, on a perdu notre souveraineté et on ne peut plus maintenant mener de politiques publiques performantes qui permettent la croissance et la redistribution des richesses entre les Français. Parce que maintenant, l'essentiel de la dette de l'État est détenu par des étrangers et qu'il faut payer énormément des dizaines de milliards d'euros pour rembourser ce service rendu à la patrie. Vous les estimez, ils sont combien ces kleptocrates qui dirigent le système financier français? Alors, donc on les appelle les spécialistes en valeur du trésor. Et il y a à peu près une quinzaine de banques que je nomme dans le livre. Donc, il y en a comme la Société Générale, BNP Paribas, Barclays, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, la Deutsche Bank, et d'autres. Il y a à peu près une quinzaine, mais je les nomme toutes dans le livre, et qui sont chargées de l'ensemble des finances publiques. Les politiques interviennent comment dans cette kleptocratie? Comment Avec pourquoi bienveillance. laissent-ils faire pourquoi laissent-ils faire cette Parce que moi je considère qu'il faudrait réformer le système et que pour faire ça, il faut remettre en cause tout ce qui s'est installé maintenant depuis des décennies. Et puis il faudrait aussi reconnaître ce qui se passe actuellement devant les Français. C'est-à-dire que les Français se font simplement voler, mais ils ne le savent pas forcément. Donc il faudrait aussi pouvoir leur dire, et je n'ai pas l'impression que les personnes qui nous gouvernent soit dans cette optique-là. On a vu que François Hollande s'était fait élire en disant qu'il était l'ennemi de la finance. Qui est mon adversaire? Mon véritable adversaire. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Mais ça fait maintenant presque 5 ans qu'il est au pouvoir, il n'a rien fait contre la finance. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là. Si, il a éliminé Macron. Après l'avoir fait rentrer. J'espère que le système va se réformer et qu'il y a des personnes qui vont intervenir pour empêcher que ça continue parce qu'on va arriver à des dérives vraiment totalitaires. Il faut vraiment comprendre que aujourd'hui l'Europe économique et monétaire est vraiment contre la souveraineté et contre donc les peuples. On l'a vu quand il y a eu la crise en Grèce notamment, où il a fallu appliquer des mesures au peuple pour savoir est-ce que oui ou non ils allaient avoir à rembourser les créanciers de l'État grec. Et lorsqu'il y a eu des discussions au sein de l'Europe, de l'Eurogroupe avec les ministres des Finances, le ministre des Finances grec, Yanis Varoufakis, a été exclu des négociations.
Donc ça va devenir de plus en plus totalitaire et on imposera au peuple des mesures restrictives, des coupes budgétaires, ils devront travailler bientôt jusqu'à la fin de leur vie et puis en plus ils n'auront rien à la fin. Donc on va de plus en plus aller vers un système qui est dictatorial, alors que finalement la gouvernance de l'Union européenne se fait surtout par la Banque centrale européenne et que ce sont des technocrates qui n'ont jamais été élus des peuples pour lesquels ils décident et qui sont des centaines de millions d'Européens. Des technocrates ou des kleptocrates Les deux, ils sont l'un et l'autre. Merci beaucoup. Merci à vous.